partie des dates qu'on coche, évidemment, dans l'année, tout le temps. Classique, on se dit. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie des dates qu'on coche. Maintenant, je pense qu'il va falloir en cocher un peu plus que ces dates-là. Mais bon, voilà. On connaît le contexte. Ça va pas être évident. Ça va pas être facile. Il va falloir s'imprégner un peu du vécu que j'ai et faire passer des messages pour essayer de se mettre un peu dans le mood, quoi, parce que ça va être très très particulier à jouer. Mais bon, l'urgence, elle est aller sur le terrain et gagner des matchs. Vous allez vraiment avec un manque de confiance claire. Ce qui s'est passé samedi, on explique comment. Enfin voilà, à nouveau, ça a dérapé. Comment on explique ça en interne, en fait? Ben, on essaye de trouver des solutions, de le faire le plus vite possible. On n'aura pas un enchaînement de matchs nécessaire pour les corriger week-end après week-end. Donc il faut faire vite, il faut travailler plus, mais surtout être prêt dans la tête les jours de match pour donner plus, parce que c'est pas suffisant. On ne peut pas se contenir de faire un match, de venir au match, jouer tranquille, il n'y a pas de public, de toute façon on ne se fera pas siffler et puis on repart à la maison. Si on a un minimum de fierté, on ne peut pas jouer comme on a fait samedi dernier avec en jouant au basket correctement mais sans agressivité. C'est dans la préparation qu'il faut être plus actif. Ben, la préparation, non, parce qu'on ne peut pas faire, on peut pas faire plus que ce qu'on fait en ce moment au niveau des entraînements, au niveau de l'intensité. Voilà. Dans la préparation mentale. Ouais, c'est la préparation mentale, c'est juste dans la tête. C'est déjà essayer de gagner le duel psychologique déjà avec son adversaire, parce que voilà, Chamberlain, s'ils sont arrivés, ils nous ont regardés, ils nous ont regardé dans les yeux, ils nous ont shooté dessus, ils ont eu de l'adresse. C'est que ça témoigne un manque de préparation et que tout se joue dans la tête. Et voilà, et c'est être prêt. Il faut limite avoir un petit peu peur avant de commencer un match, quoi. C'est cette peur-là qui peut te faire réagir. Voilà, il faut créer quelque chose. Il faut que chacun se regarde dans une vitre et dise « Bon, mais voilà, maintenant t'y vas, quoi. Tu peux plus te contenter juste de jouer, de laisser passer des matchs. » Parce que c'est que 5 minutes par mi-temps qui nous jouent des tours. Voilà, le week-end dernier, si on gomme ces deux passages de 5 minutes, le match, on le gagne. Alors, on n'aurait pas été satisfait de la manière, parce qu'on n'est jamais satisfait, mais il faut être prêt et prêt à se battre.